Ouais, 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 ouais. Ce qui paraît, la trappe a fait son temps. Il raconte que de la merde, regarde-nous en bras. Et yo les gars, c'est Nigo, mais j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo, donc on va ouvrir nos récompenses. Avec mon temps, avec mon temps. David versus Goliath, c'est la mort. Le clash d'équipe, donc j'ai fini Elite 3 en pas beaucoup de matchs, hein, parce que genre là on est encore sur la version EA Access. J'ai dû faire quoi bah vous pouvez voir mon bilan. J'ai fait 13 matchs parce qu'il y en a un en ligne. Voilà, donc j'ai fait 13 matchs en clash d'équipe et j'ai fini les 3. Donc on va dire que c'est pas mal, surtout que j'ai fait quelques matchs de merde, hein, on va pas se mentir. J'ai joué que contre des légendes. Une fois un champion et deux fois une team, voilà. Non, j'ai joué que contre des légendes. Donc c'est parti, du coup j'ai 20 000 crédits. Donc je suis déjà à 74 000 crédits, les gars, je suis très très bien pour un début de jeu, je trouve. J'ai 3 packs, donc un pack à 15 000, un pack à 25 000 et un autre pack à 25 000, mais un joueur premier mort. On va commencer par le pack 15 000, donc normalement le moins chanceux, mais bon, l'année dernière j'ai une légende. Allez gars, c'est parti. Est-ce qu'on peut avoir des animations ou pas? Je sais pas. Attention, est-ce qu'il y a les animations? Non, il n'y a pas d'animation. Donc on va skipper parce que ça sert à rien, sauf quand tu vois des districts. Ça se voit que c'est de la crasse, on va pas se mentir. Ouais, je sais pas si ça peut se vendre ça. Et ce qu'on va faire les gars, c'est que je vais tout garder dans mon club. Donc ça, les contrats, c'est vraiment super bien. Un pack or, ça fait plaisir. Ouais, le logo de Paris, on va tout garder. Petite parenthèse les gars, je sais que j'ai packé un gros joueur. Donc Antonio, comme vous pouvez voir à l'écran, je l'ai vendu 10 000 crédits. Donc en fait, regardez ses stats. Il a 85 de vitesse, 74 de tir, 70 de passe, 90 de physique, 80 de dribble en BU, en BPL. Donc les gars, voilà, c'est une machine de guerre. Et le pire, c'est qu'il a les 4 étoiles en geste technique et en mauvais pied. Donc vous pouvez voir les gars que c'est une machine, il n'avait aucun sur le marché de transfert. Je l'ai mis à 10 000, tu vois, je savais pas trop, et il est parti. Donc voilà, donc je pense qu'il peut valoir 30 000 crédits, sa fourchette elle augmente. Donc voilà, donc si vous packez ce joueur les gars, je vous conseille vraiment de le garder pour attendre, pour le vendre quoi. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse les gars, vas-y, bonne vidéo. Voilà, donc ce pack, pas du tout terrible. Le pack or du coup qu'on a eu, bon là, on sait qu'on va pas avoir de chance, on skip. Juste là, j'ai un gros boost. Kovacic quand même. Qui se vend? Ouais, les gars, il se vend. Bien les gars, il se vend quand même, genre du 5000 crédits à peu près. On va le placer sur la liste des transferts. Allez, c'est parti, il reste 2 packs. Un pack aura. Est-ce qu'on a du lourd? On va pas skipper. J'espère vraiment avoir une animation pour ça. Fait comment? Et non, on n'a pas d'animation, on va skipper. Parce que voilà, on sait qu'on ne peut pas avoir du lourd. À moins d'avoir quelques joueurs pas mal. Et ouais, donc là, il vraiment dégueulasse ce pack. Allez, c'est parti, dernier pack de la vidéo. Un pack joueur premier mort. S'il vous plaît, une animation, ce serait vraiment pas mal du tout. Ah putain, toujours pas l'animation. Si on pourrait avoir un petit joueur, tu sais, qui aura encore 5000 crédits, ce serait cool. Et Fernando Torres, je pense pas que ça coûte 1400. Ouais, donc ça se vend pas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre des likes, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine, les gars, pour une nouvelle vidéo. Peace.